Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors pendant que Maëva Guénam était au resto avec sa mère pour fêter son anniversaire, deux mecs sont allés chez elle pour y mettre le feu. Apparemment, ils y ont vidé de l'essence et mis le feu. Je vous laisse avec sa story. Des gros coups Ed. Vous savez si on fait quoi ce soir? Ils ont essayé de mettre le feu chez moi, enfin ils ont mis le feu chez moi. Ils ont jeté des bâtons, ils sont rentrés chez moi et tout. Ah c'est trop. Je vous jure, je suis en train de péter les plombs. Parce qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma mère. Je suis partie dîner tranquillement avec ma mère. Et pendant ce temps-là, on a mis le feu chez moi. Et on a acheté des bâtons chez moi. On est rentré carrément dans mon jardin. Je suis en train de serrer. Et je vous jure, heureusement, aujourd'hui, j'avais deux gardes du corps. De sécurité, grâce à Dieu, il n'est rien arrivé, ni à moi, ni à ma mère. C'est très grave d'avoir mis le feu chez moi. Ah tiens, fils d'un putain. T'es mort, hein. Fils d'un putain. Ah tiens, fils d'un putain. Donc, vous avez mis le feu chez moi. Vous avez fait des vidéos en plus, où vous avez fait tourner que vous avez mis le feu chez moi. Vous êtes rentré dans mon jardin. Sauf que chez moi, je vous explique, chez moi, c'est les baumettes. Ça veut dire que autour de chez moi, il y a des lasers, il y a de l'alarme partout et tout. Vous n'avez pas réussi à accéder dans la maison. De toute façon, il n'y a rien à voler chez moi. Mais vous êtes finis parce que il y a la police. Vous allez bien voir. C'est un truc de fou. On a essayé de mettre le feu à la maison. Genre, ils ont eu le feu, ils ont eu de l'essence partout autour de ma maison. Et les pompiers, ils sont venus. Et ils ont tout éteint. Et genre, aujourd'hui, je suis sortie, c'était l'anniversaire de ma mère, je suis partie dîner au resto, je suis partie manger au petit Nice. J'avais deux agents de sécu. Je vous jure, en vrai, je l'ai senti. Alors que quand je suis à Cannes, quand je suis à Paris, je prends de la sécurité. À Marseille, je ne prends jamais de sécurité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je l'ai senti. J'ai pris de la sécurité. Mais sur la tête de ma mère que vous allez voir. Vous pensez que tout va bien se passer sans impunité? Sauf qu'il y a la justice. Vous inquiétez pas. Et je vous jure, j'ai le démon. Parce que vraiment, genre là, on a cherché à rentrer dans mon intimité. Genre, on a mis le feu chez moi. Ils sont rentrés dans mon jardin. Attendez, je vais vous montrer les vidéos. Je vous jure, j'ai le démon. Je sais très bien que je vais pas réussir à dormir. Mais croyez-moi que, genre, il y a une justice. Et que jamais de ma vie, je vais laisser passer ça. Genre là, vous êtes rentré chez moi, c'est très, très, très grave. Et le pire, c'est que genre vous êtes rentré chez moi, vous n'étiez même pas protégé, vous étiez à visage découvert, bande de caves. Il y a des vidéos partout, genre chez moi, je vous l'ai dit, c'est les baumettes, il y a carrément des lasers chez moi, il y a des caméras de partout. Genre j'ai toutes les vidéos, votre gueule, je la vois, je sais très bien d'où ça vient. Et la vie de ma mère, vous allez le payer sur le bon Dieu Tout-Puissant, vous allez le payer. Je vous explique, hein, chez moi, il y a des caméras de partout. Il y a carrément des lasers, genre, c'est les baumettes chez moi. C'est une prison, vraiment, tellement, parce que comme je me suis fait braquer, j'ai installé le laser, j'ai installé les caméras de partout. Les Condés, ils ont toutes les vidéos et vous n'allez pas vous en sortir comme ça sur la vie de ma mère. Regardez, de toute façon, le connard qui m'a braqué, il est en prison à l'heure d'aujourd'hui. Et vous allez le payer sur la vie de ma mère. Et jamais je vais laisser passer ça. Vous êtes rentré chez moi, vous avez mis le feu chez moi. Mais vous imaginez, si j'avais été à l'intérieur de la maison, que la maison elle avait pris feu, je serais morte. Vous auriez pu me tuer, genre. C'est tarpin grave ce que vous avez fait. Mais vous allez voir. Non mais là, ce soir, j'aurais pu mourir. Parce qu'en fait, ils ont aspergé d'essence tout autour de ma maison. Ils ont mis le feu et heureusement qu'il s'est vite éteint. Mais si ça avait été dedans, que le feu, genre, il aurait pris, j'aurais pu crever. Et là, genre, je sais très bien, je vais pas dormir la nuit, mais je vais pas vous laisser tranquille. Jamais de la vie, je vais vous laisser tranquille sur le bon Dieu Tout-Puissant. Et ces gros caves,
Ils sont rentrés dans mon jardin, sauf que il y a des caméras, mais vraiment de partout. Ça veut dire votre gueule. Je l'ai vu. J'ai les vidéos avec votre gueule. Et sauf que si moi j'ai les vidéos, les condés aussi ils ont les vidéos. Ouais, regarde, Si, ça là, ils marche. sont deux. On voit mal. Oui, pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère.